Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo d'astuces de la première étape, donc l'étape numéro 1, l'optimisation. Donc, cette astuce aujourd'hui, c'est l'astuce numéro 31, la dernière. Après, on passera à l'étape 2, donc la personnalisation de l'ordinateur. Il y aura une troisième étape que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et que je suis en train d'éditer, qu'on fera très bientôt. Je ne sais pas encore, il y a 90 et j'en suis qu'à la 31. Et ça va très vite parce qu'il y en a certaines que je peux pas faire, mon ordinateur il peut pas faire tout en même temps, donc je suis désolé. J'espère que je vous mets plein de choses qui vous intéressent et tout. Après, si vous voulez d'autres tutos et tout, dites-le. Allez, l'astuce numéro 31 aujourd'hui permet d'accélérer, d'améliorer le déplacement de la souris à distance. Donc ça va être très simple, vous allez dans démarrer, rejet dit, merde, j'ai fait un rejet dit, voilà, non merde, j'ai appuyé sur OK, j'en suis désolé. Hop, donc on va dérouler HK Current User. Vous allez dérouler Software, puis vous allez dérouler Microsoft, puis vous cliquez simplement sur Terminal Server Client. Terminal Server Client, donc les T. Il a l'air de ne pas y être, hein. C'est bizarre. Je regarde si j'ai bien HK Current User. Ouais. Software. Bah oui. Microsoft. Oui. Terminal Server Client. Alors pourquoi je trouve pas? Désolé si je vous fais un peu patienter. Édition niveau recherché. Terminal. Client. Recherche dans le registre. Si elle trouve, j'aurais fait montrer un petit nouveau truc que vous pourrez faire prochaine fois. Sinon, faites manuellement. Ouverture manuellement. J'attends si ça peut trouver et tout. Si ça vous le trouve, il faudra créer une valeur au dashboard nommée min_synth interminal et il faudra mettre une donnée de 10, donc égale à 10 ms, parce que principalement c'est relié sur 100 et il faudra mettre sur 10. J'attends que ça se recherche. Si ça trouve, voilà. Si ça trouve pas, j'en suis désolé. Donc voilà. Peut-être qu'on la trouve. Attendez. Ça m'a ouvert quoi? HK Local Machine, Software, Microsoft. Hein. Ah voilà. Donc c'est pas dans HK Current User qu'il faut aller, c'est dans HK Local Machine, Software, Microsoft et Terminal. Moi je l'ai pas, on va la créer ensemble, nouveau. Valeur deadword, donc 32. C'est quoi deadword? Ouais. Hop, vous la renommez comme c'est min_synth
intervalle. Voilà. Non. Modifier. Et vous lui mettez une valeur de 10. Je regarde vite fait, c'est tout. Les chaînes binaires, chaînes multi, chaînes essentibles. Non, bon. Vous créez ça et tout, puis vous avez juste à reboot et à votre prochaine connexion à distance, votre souris sera bien plus réactive. Ça, c'est pour la bureau à distance, connexion à distance. Normalement, les lags sont un peu chiants, donc normalement, la prochaine fois que vous ferez, ça sera beaucoup plus vite, donc il y aura beaucoup moins de lag. J'espère vous avoir aidé sur ce petit tour, même si ça a duré assez longtemps parce que j'ai dû rechercher. Abonnez-vous et likez, et j'espère vous avoir aidé. Allez, à très bientôt, tout le monde.